Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on est parti semer le maïs. Là ça va être une nouvelle expérience pour nous. C'est pas en marais, c'est juste à côté du tournesol là. C'est derrière moi, là c'était en tournesol l'an dernier. Double culture de printemps, simplement pour essayer de gérer le problème de raies gras. Et là on avait mis derrière le tournesol une avoine. Vous allez pouvoir voir là les résidus d'avoine là qui avait, on l'avait semé pas trop de bonheur quand même, c'était fin septembre, elle avait pas eu le temps de trop se développer et dans le coup elle a failli repiquer dans le labour. Vous voyez là, ça là, ça avait repoussé à travers le labour. Et là ça c'était l'autre fois que, et avec le vent que ça a fait, ça a bien desséché tout ça. Là, ça fait 3 semaines que ça n'a pas plu. Vous voyez, il y a quand même encore de la fraîcheur en dessous. Il y a eu 2 coups de vibro. Comme à côté, là, le tournesol. Ça fait 1 semaine qu'il a été semé, lui. Bon, pour l'instant il est pas né parce qu'il y a eu des belles gelées dans la semaine. Mais il va falloir surveiller tout ça, mettre les effaroucheurs au moment venu. Alors dans le coup, bah, toujours le fil d'aile d'estrier avec le monosème. On a changé les disques. Ce n'est pas les mêmes disques que sur le tournesol. Et les mêmes réglages. Et là on va semer en basse densité. J'ai essayé de trouver un réglage à 70 000 à peu près. On verra bien ce que ça va donner parce que comme on n'a jamais fait en sec, habituellement on fait ça en marais à 83 000 pieds hectares, ce qui fait les rangs sur le rang, la graine tous les 17 cm. Là on va essayer de la mettre tous les 20 cm. C'est le même procédé. La semence est dedans. Les micros, parce que bon, il y a des topins partout en ce moment. Et là, il va falloir que je remette en route la turbine et faire tourner pour que ça colle au plateau. Ça, vous pouvez voir, c'est pas les mêmes plateaux. Vous voyez, les trous sont beaucoup plus gros pour les maïs. Et là l'aspiration est fermée. C'est pas il n'y a pas besoin de grosse aspiration pour coller la graine au disque. Et là un essai sur 6 hectares quand même. Il faut espérer avoir de la pluie tout au long du cycle. Parce que là, sans irrigation naturel, je sais pas ce que ça donnera. Bon, je vais en profiter, là j'ai fait quelques mètres pour vérifier les réglages. Là on a le bon aplomb avec le troisième point et on va regarder la profondeur, si les graines. Bon, normalement c'est plus facile à trouver que le tournesol. Enfin, je dis normalement. Alors, bah couillon, c'est toujours aussi la même galère, putain. Alors, où es-tu fourré? Ah bah bon, de là. Ça y est quand même. Bon, bonne nouvelle, c'est dans le frais. Après je voudrais voir l'écartement. Oh ouais, c'est pas mal, c'est bien à peu près 20 cm d'écart. La profondeur, ben je vais la laisser comme ça. Parce que bon, il prévoit de l'eau quand même demain.
même lampe. Bon GPS, c'est moi. Voilà comment ça se passe. Là, je suis en train de faire les chintes. C'est mon troisième tour. Un coup d'eau maintenant.